le 60e anniversaire de l'indépendance du Maroc et le 41e anniversaire de la Marche verte sont des événements importants ici à Mantes parce qu'il y a une grande communauté marocaine, très patriotique, donc très attachée à ces deux événements. Et puis je considère, au-delà de l'affection, de l'amitié que je porte à nos amis marocains de Mantes, que leur démarche est totalement légitime, c'est-à-dire la colonisation a été une époque de l'histoire de l'humanité. Hein. Français, je suis colonisateur, voilà, ben je l'assume. Mais je crois qu'on a voulu le faire pour le bonheur des peuples. On n'a pas forcément fait bien. Mais en tout cas, je pense qu'au Maroc, la relation qu'on a su nouer avec le peuple marocain à cette occasion, grâce au général devenu maréchal Lyautey, montre bien qu'il y a eu un respect mutuel, la volonté de respecter cette très grande civilisation marocaine. Et ça explique sans doute la relation très fraternelle qui existe entre le peuple marocain et le peuple français. Et puis la marche verte, c'est le peuple marocain qui veut retrouver son Maroc historique. Comment, moi qui suis un ami du Maroc, je pourrais contester cette envie? Je la comprends parfaitement et je la partage même. Et je le dis à toutes celles et tous ceux d'ailleurs qui ne partagent pas forcément mon opinion, combien je trouve que la démarche d'Hassan II à cette époque s'inscrivait dans une logique historique tout à fait respectable.